Salut les amis, c'est Skyrock24, on se retrouve sur Infinity Warfare, donc voilà. Je viens juste de démarrer le jeu, là, je viens juste de démarrer le jeu. Donc, j'ai eu 62 clés, voilà, pour ouvrir des colis d'un petit de largage. Donc on va avoir deux petits largages, donc voilà. Hey, voilà. Touchez pas à la sûreté. Ouais, c'est marrant ce petit robot là. Mais voilà, donc j'ai 62 clés, donc on va ouvrir deux petits largages ravitaillement rare. Voilà, on va en avoir deux, donc pour avoir de la chance, pour avoir les customisations sur le sniper, j'aimerais bien avoir un camouflage sur le sniper, parce que franchement, le sniper sur Infinity Warfare, il me plaît énormément, voilà, j'espère que vous allez voir ma vidéo, j'étais en live avec un pote, et j'adore le snipe sur Infinity Warfare, franchement, il est largement mieux que sur Black Ops 3. Après, c'est mon avis personnel. Donc, on va faire ces deux petits largages. Donc, une courte vidéo. Hein. Allez, hop, 30. Alors. Ok. Donc, là, le truc que vous pouvez voir, le C en forme de boulon. Avec les crochets, là, à côté de l'arme. Donc, ça m'a mis plus 15. Donc, ça, c'est des bonus de récupération. Pour avoir des variantes d'armes, donc voilà. Donc j'ai une arme secondaire et fusil de combat, un camouflage, d'accord. Doublon rare, ok. On va en ouvrir un autre. Oh, le sniper, fusil de précision. Envoyez-moi à la case. Ah non merde, c'est le EBR. Le EBR, j'aime pas. Non, franchement, je suis pas fusil automatique, semi-automatique comme ça, j'aime pas trop. Mais après, bon, si dessus il y a une bonne variante, c'est vrai que bon, c'est vrai que c'est le seul sniper pour le moment qui est sur Infinity Warfare qu'on peut mettre en mode fusil d'assaut. Donc c'est intéressant, c'est très très. Alors, franchement, c'est très, c'est super bien ce qu'ils ont fait là. Franchement, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Donc là, j'ai gagné ça, ça, ouais, d'accord, ok. Donc là, vous allez là-dedans. Et vous pouvez voir que vous avez des variantes que vous pouvez acheter avec les trucs comme je vous l'ai dit, avec la forme de C, la forme de boulon là, bizarre. Donc vous pouvez voir 1600. Donc là j'ai 120, donc j'y suis pas encore, largement pas. Mais c'est intéressant, franchement c'est super intéressant parce que vous avez vraiment des capacités sur les armes. Regardez celle-ci, là, la Hypic, la HB4, voilà quoi. Précision et portée infinie, franchement voilà quoi. Ça peut être très très intéressant. Cette arme aussi c'est pareil. Franchement, non, non, franchement, il y a vraiment des bonnes armes, des bonnes variantes. Franchement, je pense que je vais vraiment aimer ce jeu. C'est un film qui va ressortir, franchement. Je pense que même plus que Black Ops 3. Franchement, Black Ops 3, j'ai aimé Black Ops 3. Mais j'ai aimé Black Ops 3. Non, non, c'est vrai que j'ai aimé Black Ops 3, mais. Il m'a vite dégoûté. Il m'a vite dégoûté par rapport à son marché noir. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de chance. Malgré moi, mais j'étais obligé de mettre de l'argent pour avoir les armes. Voilà. Donc franchement, non, non. Je pense qu'avec Infinity Warfare, bon, voilà, je vais pas donner. Je vais pas trop voilà, dire que c'est parfait. Mais voilà, donc j'espère qu'on aura largement. Je pense qu'on aura largement plus de chance sur les armes dans ce système de marché noir là. Je pense qu'on aura un peu plus de chance, hein, je pense. Ouais, je pense. Après, à voir quand le jeu sortira. Voilà. Donc, c'était une courte vidéo pour deux petits colis revitaillement rares. Voilà. Donc, voilà une petite courte vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like. Et puis, à la prochaine, les amis. Mettez un commentaire si la vidéo vous a intéressé. Disiez ce que vous voulez dans les commentaires. C'est fait pour. Et je vous dis à la prochaine. Salut, les amis.